Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour Apprendre Point Photo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de pourquoi la photo de rue est vitale. Cette vidéo est très spéciale pour deux raisons. La première, c'est qu'elle célèbre l'ouverture de la formation Oser la photo de rue, qui est toute nouvelle, qui ouvre ses portes aujourd'hui, et on en reparlera en fin de vidéo. Et la deuxième, c'est que je ne suis pas tout seul, puisque je suis avec Philippe Blayo, auquel j'ai confié la réalisation de cette formation. Salut Philippe. Salut Laurent. Tout d'abord, commençons par les présentations, pour que les spectateurs et spectatrices de la chaîne puissent te découvrir un petit peu. Ouais, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Blayo, je suis photographe, ce qu'on pourrait appeler un photographe des villes, donc très inspiré par la photographie de rue, bien évidemment, et plus largement par la photographie urbaine, même si je ne m'interdis pas des incartades dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines, photographiques ou pas. D'ailleurs, je pense que c'est important d'ouvrir ses chakras à d'autres domaines artistiques, aussi bien la peinture, la musique. Voilà. D'ailleurs, la musique, c'est l'essentiel de mon parcours académique, je dirais artistique, puisque je viens de la musique classique, de la musique jazz aussi. Donc, j'ai passé quelques dizaines d'années en conservatoire ou en école, et j'établis beaucoup de liens, notamment entre le jazz et la street photo, dans des notions... Par exemple, à travers des notions d'harmonie, d'improvisation, de réactivité, de surprise aussi, de silence, paradoxalement également. Donc pour moi, c'est vraiment important ce parallèle, et je dirais que ça nourrit vraiment ma pratique, même si on le verra, elle a évolué grandement depuis mes débuts. Pour dire aussi que la photographie, je l'ai développée à travers la pratique essentiellement, donc beaucoup de temps passé, dans la rue, dans les villes. J'ai la chance de pouvoir voyager un petit peu, donc j'ai vu des horizons un petit peu divers. Mais c'est surtout à travers le développement d'une vraie culture photographique que j'ai pu aiguiser mon regard, je pense. Et ça, c'est important de le souligner, c'est important de l'aborder aussi dans la formation dont on parlera ensuite. La culture photo, c'est vraiment central pour développer son regard, je pense. La culture et la pratique. Donc, je suis un féru de bouquins, photos, d'expositions, de workshops, de lectures de portfolio, etc. Tout ce qui permet de confronter mon regard à autre chose pour le faire évoluer. Voilà. Voilà comment je pourrais tout simplement me décrire. Ok, bon, on est bien d'accord là-dessus, hein, de toute façon, bon, c'est pas un mystère, on n'a pas bossé ensemble pour rien. Du coup, pour commencer et se mettre un petit peu dans le vif du sujet qui est la photo de rue, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition à toi de la photo de rue, de ce que c'est, de ce que c'est pas, et voilà, histoire qu'on soit sûr de parler de la même chose, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément la même chose dedans, donc j'aimerais bien que, avec les gens qui nous regardent, là, on soit au même niveau. Oui, c'est un peu la question piège, hein, parce qu'il y a autant de photographes de rue que de définitions presque. Hein. Donc il y a des chapelles aussi, et des guerres entre chapelles. Bon, ma définition à moi de la photo de rue, c'est avant tout centré sur la notion de candeur de l'image. C'est centré sur cet effet de surprise, de mystère. Pour moi, la photo de rue, c'est une photo qui rend curieux le lecteur quelque part. C'est une espèce d'interprétation de la réalité par un photographe qui n'altère pas la réalité. Et ça, c'est important, je pense. Pour moi, en photo de rue, le photographe n'intervient pas dans la scène qu'il est en train de photographier. Sinon, ça s'appelle autre chose. Et c'est faire. Il n'y a pas de sujet. C'est du portrait, c'est de la photo d'architecture, ou de la photo documentaire, du reportage, etc. Mais ce n'est pas de la photo de rue, pour moi en tout cas. C'est vraiment important que le photographe propose un angle de vue sur la réalité. Alors, il y a une image un petit peu d'Épinal, comme ça, qui circule, qui dit que c'est un peu le monde tel que les autres ne l'ont pas vu, quelque part, mais c'est vrai. Et j'aime bien cette idée, je trouve ça super stimulant de pouvoir réinterpréter quelque part le réel. Mmh. Un autre point qu'on peut aborder, c'est que pour moi, la photo de rue n'a pas forcément une vocation sociale ou politique. Ça me semble important parce que ce n'est pas une photo, reportage ou documentaire qui va porter un propos, qui va engager quelque part le photographe ou le lecteur dans un enjeu à défendre, par exemple. On est vraiment pour moi sur un témoignage et un regard, alors plus ou moins décalé selon le photographe, sur ce qui se passe devant lui. Bah écoute, c'est très clair, je pense que voilà, maintenant on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, j'aimerais presque fusionner les deux premières questions et parler avec toi de pourquoi toi, tu fais de la photo de rue. Qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te passionne là-dedans personnellement? Ben, c'est très simple, hein. Finalement ça tient en deux mots. Je dirais l'adrénaline que provoque la photo de rue, parce que on est à l'affût, on recherche, on est en mode un petit peu chasse, hein, je dirais, sur les événements qui se déroulent devant nous. L'adrénaline et puis la créativité. J'ai absolument besoin d'être stimulé par ce que je fais. La photo, ça reste une passion, et ça, c'est important. Et pour moi, une passion s'associe à la créativité que je peux développer dedans. Donc, hyper important pour moi le fait de pouvoir réinterpréter les choses, comme je le disais tout à l'heure, et d'introduire un petit peu de ma perception des choses, ma personnalité à travers ces images. C'est important pour moi de reconstruire la réalité, je ne suis pas psychologue pour rien, hein, d'un autre côté. J'aime me raconter des histoires, j'aime un petit peu transformer les choses, établir une narration, etc. Et voilà, je pense que c'est voilà, c'est important, cette dimension créative en tout cas pour moi. Et du coup, est-ce que, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes photos? Comment tu décrirais, toi, tes particularités, tes petits tics photographiques, ce qui, en quelque sorte, fait ton style? Mais j'aime pas forcément toujours le mot, mais voilà, qu'est-ce qui fait que c'est du Philippe Blayo? Ouais, c'est difficile d'avoir du recul, hein, sur soi, mais c'est un exercice qui est primordial, je pense, hein, pour faire évoluer sa pratique aussi. Être conscient de ce qu'on fait, comment on le fait, comment on se situe par rapport aux autres, et puis comment on le développe. Donc je te dirais que ma photo, elle a beaucoup évolué. Au départ, j'étais dans une pratique, on va dire, très photo humaniste, noir et blanc, un peu cliché quelque part, mais je pense qu'on est beaucoup à être passé par cette étape-là avant de découvrir d'autres types de photographies, notamment une école de photo anglo-saxonne plutôt contemporaine, laquelle je m'inscris volontiers. Aujourd'hui, je trouve que mon travail est depuis une dizaine d'années à peu près. En fait, j'ai repris la photo il y a à peu près une quinzaine d'années, on va dire. Donc, beaucoup de photos uniques, donc qui suffisent à elles-mêmes, qui peuvent avoir un effet impactant, qui sont un peu autoportantes, hein, comme je dis. Et puis, depuis une dizaine d'années, un travail en série beaucoup plus important. Travailler en série, travailler en projet. Donc je trouve beaucoup de plaisir dans cette façon de travailler, parce que ça permet de s'inscrire dans le temps et pas uniquement d'être dépendant quelque part de l'image et de l'opportunité qui se trouve devant toi. Donc voilà, développer un regard, développer une narration dans le temps, c'est quelque chose maintenant qui me stimule beaucoup. Depuis 8 ans à peu près, 8 à 10 ans, donc pas mal de séries. J'aime travailler en amont aussi beaucoup mes sujets, ce que permet le travail en série. Mais pour autant, je dirais que la street photo, c'est toujours la cour de récréation pour moi, quoi. Il y a toujours cette notion de plaisir, d'instantanéité, d'opportunisme qui provoque ces déclenchements d'adrénaline dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, ça a évolué, et si tu dois parler de tic, alors là, tic photo, c'est un bien grand mot. Je te dirais que peut-être dès que je peux essayer de mettre des diagonales, des perspectives, des cadres dans le cadre, des choses comme ça, j'ai une approche qui peut être parfois assez géométrique. Ça, je retrouve ça, et souvent on me dit, je vois des personnes qui me disent, voilà, il y a cet angle-là, on le reconnaît, voilà, ça me ressemble, en tout cas. Enfin, il faut essayer de ne pas en faire un tic, et au contraire, pouvoir être un petit peu plus polyvalent, je dirais, là-dessus. Ok, alors, donc maintenant on te connaît un peu mieux, on sait ce que tu fais, ce que tu aimes dans la street photo, etc. J'aimerais un petit peu dézoomer, jeu de mots fait exprès. Qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de la photo de rue en général pour la société? Alors pas forcément de ton travail en photo de rue spécifiquement, mais plutôt de la discipline en général. À la fois historiquement évidemment, parce qu'il y a un peu de matière là-dessus, mais même et surtout à la limite aujourd'hui. Ouais, t'as raison. On va pas parler que de mon travail quand même. Non, mais la photo de rue pour moi c'est évidemment capital. Alors, ça serait dommage de dire l'inverse, hein, dans une vidéo sur la photo de rue, mais pour autant il y a des vrais risques. Et on va en parler tout à l'heure. Elle est capitale, pourquoi? Parce que c'est un témoignage de l'époque, de l'histoire, de comment sont les gens, de comment sont les voitures, de comment sont les couleurs aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir documenter, entre guillemets, ce qui se passe autour de nous. Alors il faut mettre des guillemets sur documenter parce que c'est une expression qui est un petit peu galvaudée, hein. Je documente le quotidien en faisant de la photo de rue. Il ne s'agit pas de lever la main et puis de déclencher à tout va pour faire une photo de rue qui va apporter une valeur ajoutée à l'époque et au témoignage que l'on peut avoir. Ceci dit, la photo de rue, au-delà du témoignage, c'est de l'art. Aussi. C'est pas uniquement un livre qui permet d'archives photographiques, ça existe, hein, il y a des disciplines pour ça. La photographie de rue, pour moi, c'est une photographie d'art à part entière. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'importance du regard personnel et de développer un regard personnel à travers sa photographie de rue. Il faut que ce regard soit singulier, il faut qu'il y ait un pas de côté pour pouvoir dire j'interprète la réalité autrement et je vous propose cette redéfinition de la réalité. Alors il ne faut pas tout intellectualiser, hein, c'est certain, mais pour autant c'est important, je pense, quand on veut passer une étape dans sa photographie, de pouvoir se différencier de cette façon-là. Et c'est la créativité qui va tout faire. De la créativité, je pense que la créativité naît du développement de la culture photographique que l'on aurait eue au préalable. Et ça, pour moi, c'est vraiment très très important. Ça nous mène à la deuxième partie de ta question sur l'intérêt de la photographie de rue aujourd'hui. Et là, je remets en perspective la notion de risque dont je parlais tout à l'heure. La photographie de rue a littéralement explosé ces dernières années. Alors même si c'est un art qui est récent, hein, quand on repense à la musique, quand on pense à la culture, la sculpture ou la peinture, etc., c'est quand même très récent, mais on voit que ça explose à tel point qu'aujourd'hui, la publicité, on reprend très très largement les codes, la mode et également. On voit de la photo de rue partout, même Airbnb, pardon, faut pas citer de marque, va faire des campagnes qui sont très très inspirées de la photo de rue. Et quand on prend les photographes de mariage aujourd'hui, par exemple, bah, voilà, on retrouve ces codes de spontanéité, de candeur, de fraîcheur quelque part qu'offre la photographie de rue. Alors il faut se méfier parce que comme elle est partout, bah, elle est extrêmement démocratisée, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais aussi un risque, puisque faire le tri entre la bonne photo de rue et la moins bonne photo de rue est devenu de plus en plus difficile. Et c'est d'ailleurs même une des compétences clés, je pense, du photographe aujourd'hui, que de pouvoir éditer son travail et sélectionner avec soin ce qu'il va proposer. Aujourd'hui, la photo de rue, ou en tout cas le photographe de rue, apportera une plus-value et sa pierre à l'édifice, si je puis dire, s'il est capable justement de sélectionner ses photos, de les promouvoir, d'animer un réseau, une communauté, etc. On ne peut plus se contenter d'être un bon photographe, je pense, quand on est photographe de rue aujourd'hui. Ouais. Mmh. Ouais, bah, justement, ça, bon, je voulais un peu aussi creuser là-dessus parce que voilà, on n'est plus dans les années 50, clairement, le monde a beaucoup changé et donc là on parlait un petit peu de la place qu'elle peut avoir, mais aussi ben, qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qui a changé c'est un peu évident, mais comment on s'adapte à ça en tant que photographe de rue dans la mesure où on n'est plus du tout dans, ben, on n'est plus dans la même époque quoi finalement. Donc voilà, qu'est-ce que comment tu vois ça toi? Ah oui, bah, c'est à la fois simple et compliqué. Simple quand on se contente du yaka faucon. Bah voilà, il suffit maintenant de pouvoir communiquer sur les réseaux, d'être à l'aise sur Internet et d'être un petit peu extraverti pour pouvoir faire la différence, mais ça suffit absolument pas. Aujourd'hui, alors je dirais heureusement et malheureusement encore une fois, les réseaux existent, on a de l'Instagram, etc. Donc c'est un merveilleux outil justement pour diffuser de l'information. En revanche, il faut considérer ces réseaux comme des outils. Donc aujourd'hui, le photographe qui voudra sortir du lot, non seulement, je le disais, sera capable de faire un editing efficace, efficace en fonction des médias qu'il utilisera. On peut faire plusieurs editings et des editings qui seront adaptés à chacun des supports de communication, mais il sera d'autant plus efficace qu'il saura toucher un public avec un propos très précis, une communication très précise, un vrai savoir-faire dans la gestion de son réseau, d'une communauté. Il saura à la fois gérer et promouvoir son site internet. Donc ouais, aujourd'hui, un photographe, c'est quelqu'un qui doit être polyvalent. J'aime pas trop ce mot de polyvalence parce que à force de faire plein de choses, on fait chaque chose moyennement. Mais malgré tout, voilà, on va être obligé, ou on est d'ores et déjà obligé de pouvoir adresser différentes compétences. On le voit, même les photographes professionnels. Alors, on n'est pas photographe de rue professionnel, on en vit très mal, j'imagine. Mais les photographes professionnels sont obligés aussi d'être à la fois le photographe, le logisticien, le responsable du marketing et de la communication, le comptable, etc. Donc, oui, il faut savoir développer d'autres talents que celui de photographe, c'est certain. Oui, ok, bah écoute, merci pour ton avis là-dessus. Alors, je voudrais rebondir. Il y a un truc qui pourrait paraître pas du tout lié, qui en fait l'est un petit peu, c'est que on n'est plus dans les années 50, donc il y a les réseaux sociaux, mais on n'est plus dans les années 50, donc aussi les gens n'ont plus le même rapport avec l'appareil photo, et notamment nos sujets, ce qui peut changer des choses vis-à-vis des réactions. Je ne pense pas que Cartier-Bresson avait les mêmes réactions que ce que nous on pourrait avoir aujourd'hui, simplement parce que des mecs avec des appareils photo dans la rue à l'époque, il y en avait 2,5, quoi. Enfin, c'était pas, c'était pas aussi courant que ce que ça pouvait être aujourd'hui, comme tu l'as dit avant, ça s'est beaucoup développé. Donc forcément les réactions changent, puis même, d'une manière générale, la société aussi change son rapport à l'image, etc. Donc du coup, au-delà de l'aspect purement juridique, parce que ça fera l'objet d'une vidéo à part, c'est pas le sujet aujourd'hui. On en parle la semaine prochaine. Ce que je voudrais plutôt savoir, c'est comment toi, tu détermines ce que tu t'autorises ou non. Parce que voilà, ce qu'on a le droit de faire ou pas, c'est important, on verra la semaine prochaine, mais il y a aussi ce que soit on se donne le droit de faire, parce qu'on peut aussi se mettre des limites qui n'existent pas, on peut considérer qu'il y en a qui sont abusives, voilà, il y a plein de choses comme ça, et donc moi j'aimerais savoir comment toi tu te places par rapport à ça. Bah, d'abord, c'est du bon sens, je pense. Je m'applique l'adage « fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse », tout simplement. Donc, je m'attache déjà à respecter les personnes qui sont en face de moi et pas les photographier dans une situation qui pourrait être embarrassante ou préjudiciable. Alors déjà, c'est une question d'éthique personnelle, je dirais. Alors chacun a sa propre distance face à cette éthique-là. Puis après, c'est aussi une question de droit, hein, comme tu le diras dans la vidéo qui suivra, hein, bien évidemment. Mais d'abord, c'est du bon sens. Hein. Et puis deuxième point, je te dirais que la photographie, et la photographie rue, pour moi, ça reste du plaisir. Donc, quelque part, alors là, je vais être un petit peu provoque, hein, ce n'est que de la photo. Je vais pas me mettre dans une situation dangereuse pour une photo de rue, c'est pas mon métier, je suis pas photographe de guerre, je suis photographe de rue, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir à des gens qui sont en face de moi et de continuer le plus longtemps possible. Donc, c'est pas la peine d'aller non plus prendre des risques inconsidérés pour une image, hein. Faut juste aussi se rappeler, il faut rester très, très humble dans la photographie de rue. C'est une photo où on a au moins 90% de déchets. Hein. Prendre un risque inconsidéré pour que ça se solde par la corbeille du disque dur à la fin, enfin, très honnêtement, il y a peu de photos de rue qui vont faire le Pulitzer, par exemple. Hein. Donc il faut relativiser ça absolument. Voilà. Ça, c'est les deux principes qui me guident. Du bon sens et puis ensuite me décontracter par rapport à comment dire, la tension qu'il peut y avoir dans la relation parfois ou pas. Alors on le verra dans la formation, c'est un chapitre qui est super important, hein, savoir opérer le plus sereinement possible sans être forcément repéré et puis être tranquille dans sa pratique, quoi. Ouais, ça c'était une grosse attente des gens qui nous regardent, hein, puisqu'il y avait un petit sondage avant pour savoir ce qui vous posait problème. Donc ça, ce sera, voilà, on en parle dans la formation. Alors justement, je vais vous en parler juste après. Merci Philippe pour toutes tes réponses. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vais prendre le relais maintenant avec la magie du montage où je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans la formation, voilà, ce qu'on propose concrètement et puis voilà, le prix de lancement, etc. Je vous explique ça juste après, mais bah, merci pour ta collaboration. Puis voilà, je pense que les gens seront contents de te retrouver dans quelques minutes dans la formation. À très bientôt Laurent, à très bientôt tout le monde. Alors dans cette première vidéo, je voulais vraiment qu'on se focalise sur l'aspect éthique et moral de la photo de rue, mais évidemment je sais qu'une des questions que vous avez c'est est-ce qu'on a le droit de prendre en photo des gens dans la rue? Et bah, c'est sans doute la question que j'entends le plus sur le sujet. La réponse est un peu plus complexe que ça, mais globalement la réponse est oui si vous ne faites pas le con. Alors ce sera un peu plus détaillé dans la deuxième vidéo qui arrivera la semaine prochaine, pas d'inquiétude. Comme celle-ci que vous êtes en train de regarder, elle fait partie du module d'introduction de la formation Oser la photo de rue qui sort aujourd'hui sur formation.photo à moins 50% pour le lancement. Le but de la formation, c'est évidemment de vous donner tous les outils techniques pour faire de la photo de rue, mais aussi les outils psychologiques en quelque sorte. En somme, de vous encourager à y aller tout en vous donnant les clés pour le faire. Donc pour commencer dans le premier module, on vous parle donc de vos droits, de ceux de vos sujets et de l'éthique en photo, mais aussi de comment dépasser vos craintes, comment être discret pour ne pas dénaturer les scènes qui se présentent à vous. Alors je sais que vous avez peur de gêner les gens, de leurs réactions, etc. Et le but de ce premier module, c'est de vous donner tout ce qu'on peut pour que vous puissiez dépasser ça, même si évidemment on ne peut pas oser à votre place, vous êtes grand. Dans la suite de la formation, on va également vous donner les outils techniques pour résoudre un des plus gros problèmes que vous avez en dehors de la peur d'y aller, c'est celui de réagir vite, de capter le bon moment, et puis de réussir à régler votre appareil, faire la mise au point et composer dans des conditions qui change constamment, un petit peu par définition. Alors le but, c'est pas de refaire un cours sur les réglages, bien sûr, parce qu'il y a devenez un photographe accompli pour ça, si vous n'avez pas les bases, mais plutôt de vous montrer comment on applique ça à ce contexte particulier de la photo de rue. Mais évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. D'abord parce que une de vos préoccupations, c'était de ne pas finir par faire juste des photos de passants dans la rue, et c'est vrai qu'on peut facilement faire des photos de rue complètement banales aussi. Donc Philippe vous a concocté un module pour enrichir progressivement votre pratique de la photo de rue, notamment via un développement de votre culture photo, et puis également comment concilier le plaisir à en faire, et puis une certaine exigence vis-à-vis de son travail, et puis aussi comment éviter les deux principaux écueils à la progression en photo de rue. Dans un autre module, il vous parle de composition en photo de rue et des différentes approches que vous pouvez adopter. Alors le but ici, c'est pas non plus de vous refaire l'intégralité de la grammaire de l'image, parce qu'il y a justement la formation composition captivante pour ça, mais plutôt en fait de vous montrer comment appliquer ces principes concrètement dans la photo de rue. Et puis dans le dernier module, mais pas des moindres, celui sur l'editing et le traitement. Donc l'editing c'est vraiment très important dans toute pratique photo, mais en photo de rue où on peut faire beaucoup plus de brouillons. Je préfère dire ça que avoir beaucoup de ratés. Ben voilà, c'est d'autant plus important. Surtout qu'une photo de rue isolée, elle n'est pas toujours aussi forte que prise dans un travail plus global en série. Donc voilà, on a mis tout ce qui était indispensable pour progresser en photo de rue, condensé dans une formation de quelques heures, c'est le principe des essentiels. Cette formation sera normalement vendue 99 €, mais uniquement cette semaine, je vous offre 50 € de réduction dessus, et vous pouvez donc l'obtenir pour seulement 49 €. Je vous mets le lien en description pour profiter de cette offre valable pendant 7 jours. On espère vous retrouver tout de suite dans la formation et que ça vous encouragera à produire des photos de rue qui vous feront plaisir à vous et qui peut-être seront importantes pour documenter notre époque. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous aimez et ce que vous aimez moins en photo de rue, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième vidéo offerte dans laquelle on parlera du droit en photo de rue. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne photo!